Bonjour, bonsoir, salut la compagnie, salut tout le monde, salut Biwix, salut Aze. Et salut à tous. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère, hein. Bon, nous on est là, on est content, hein. On est à la Principauté de Monaco. On est sous le soleil. Sous le soleil, c'est ce que j'allais dire. Avec un monégasque derrière le micro. Ouais, presque. Sortez le barbecue, voilà, ouais. Régalez-vous. Sortez les petites bières bien fraîches. Voilà. Les bières, voilà, les bières bien fraîches, ouais. Le ventilo. Bah oui. Alors Romain, non, c'est Sébastien Deauville qui est de retour avec nous ce soir. Et en force en plus, Sébastien, il est en forme. Une 13 636. Ouais. On a Valentin qui est en une 13 780. 15 pour l'instant sur les essais libres. 6e, hein. Ah, ils sont pas loin. Ça va être serré, je pense, sur le. Ah bah là, le tableau. De toute manière, il faut qu'ils tapent au-dedans, les mecs, hein, s'ils veulent partir devant. Hein. Ah là, il faut s'échapper au plus vite. Hein. Ah ouais. Faut éviter les balles du premier tour et s'échapper. Tony Yato qui a 3e temps. Tony Yato qui est assez à l'aise hein, sur Monaco, ça fait plaisir. Alors je vois que sur le serveur il a fait 101 tours. Ah, c'est déjà pas mal. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour prendre les circuits en main avec la voiture hein, et faire leur réglage. Ah, une semaine, ça fait court. Hein. Ça fait très très juste, ouais. Ah ouais. Mais bon, j'espère qu'ils sont prêts. Ils sont bien préparés à enchaîner les tours. Un petit coup de chapeau à Cédric Seller qui a fait 168 tours. Bah, bravo lui. Ah ouais. Bravo Cédric. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Température? Alors les températures, je vois un 23 degrés dans l'air, 32 sur la piste. Ouais. Une petite brise. Ah bah ça va alors. C'est des températures plutôt fraîches, ça va. Ouais. La piste est en bonne condition pour la course. Hein. Alors. Bon, c'est pas les températures qu'il y a eu à Barcelone dimanche dernier. Hein. Ah, ils avaient chaud les mecs. Hein. Ah ouais. Alors nous pour le Grand Prix dimanche, il risquerait d'y avoir de la pluie. Hein, c'est prévu. C'est prévu. Ouais. Prévu un peu de pluie normalement. Ça peut donner quelque chose de plutôt intéressant. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu Monaco sous la pluie. Ouais, mais bon. On va bien voir. Ah bah ouais. Tiens, il y a Jérôme qui est sur Monaco qu'on va saluer. Jérôme, ouais, qui participe en tant que commissaire apparemment. Hein. Exactement. Félicitations à lui. C'est excellent, quoi. Ah ouais. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est un truc à faire. Vous êtes au cœur de l'action. Bah toi aussi, t'as été souvent au cœur de l'action, non? Oui, hop, un peu moins. Mais bon. J'ai les voitures, tout ça, mais j'étais au bord de piste. Ah, t'étais au bord de piste ouais. Et t'avais les tripes qui vibraient, quoi. Ah ouais, ça vibrait bien. Ouais. Les oreilles, à la fin de la journée, ben, on en a plus. On a la tête comme un ballon, mais on kiffe ça. Ouais, mais bon, ça c'est une bonne douleur, on va dire. Ah ouais. C'est assez impressionnant à Monaco, c'est vraiment un des circuits
Il y a le plus de sensations, autant pour les pilotes que pour les spectateurs, hein, je pense. Bah, ouais, parce que là, c'est carrément au bord de piste, quoi. Hein. Vous êtes au bord de la piste et c'est une voiture face à 2 mètres de vous, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Il y a dans le chat Lucas qui nous salue, qui va arriver avec un petit peu de retard ce soir. Bah, espérons qu'ils sont là pour la qualif. Eh ben non, justement. Oh là 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 là. Est-ce qu'il a tourné de son côté? Ah ben, j'espère, hein. Sur le serveur, il n'y a pas de... Il n'y a pas de roulage de son côté sur le serveur. Aïe aïe aïe. Bah, j'espère qu'il connaissait bien le circuit avant. Bah, je pense quand même qu'il... Oui. Qui connaît pas Monaco? Qui connaît pas, ouais. Attends, Monaco, circuit mythique, on va dire. C'est mythique. Et puis surtout que c'est un circuit qui bouge pas des masses au fil des années. Ouais. Bah, tu vas me dire... toujours le même, hein. Ah, tu peux plus faire grand chose sur le circuit. Ah, tu peux pas pousser les murs, non. Non. Tu vas voir les voisins, tu dis, oh, par où? J'aimerais bien faire un virage, là, s'il vous plaît, merci. Non, c'est pas possible. Après, on sait bien que depuis les années... donc Monaco, c'est un circuit quand même qui est très au calendrier depuis le début de la fin, hein, 1950, voilà, ça va faire la... Faire la 72e représentation. Ouais. Ouais. Voilà, c'est. Ouais, tu vas me dire, les princes à Monaco, ils sont fans de ballon. Ah, ils sont le père comme fils. Hein. Ah, ben c'est clair, ils aiment ça. Hein. Ils sont c'est les premiers à être là. Hein. Ah, ouais. Bah, c'est eux qu'on proposait de faire le père plutôt, qu'a proposé de faire une course En 1920 et quelques, avant-guerre, c'est d'avant-guerre la première course à Monaco. Hein. Ah ouais. C'est c'est vraiment historique. Ah oui. C'est ça qui fait la beauté de ce circuit. Voilà. Et apparemment leur contrat il va bientôt se finir là. À voir si les années prochaines on l'aura toujours, j'espère en tout cas. Oui, je pense. J'espère qu'il sera pas trop remplacé par des circuits comme Miami. Hein, avec un goudron qui se détache au passage des voitures. Carrément. Ouais, c'est pas l'idéal, on va dire. Ouais, c'est vraiment pas l'idéal. Alors, dans le chat, il y a Cédric qui souhaite une bonne soirée, qui participe évidemment à la course et qui souhaite une bonne course à tous. Bonne course à lui aussi, hein. Carrément, c'était celui qui a fumé plus le circuit. 168 tours réalisés sur serveur. Ah. Et Romain qui dit salut également. Romain, salut. Salut Romain. Pour ma part, j'ai pas mal roulé aussi, j'en suis à 370 tours. Avec la safety? Avec la... Non. sur l'autre championnat, ouais. Sur l'autre championnat, d'accord. Et là, ton championnat, c'est pour dimanche soir, là. Dimanche soir, ouais. Bah, je te souhaite le meilleur hein, aussi, hein, pour dimanche. J'espère finir la course au moins déjà. Ouais, ça serait bête que de... Ouais. Mais bon. Ça peut arriver, hein. Il y a des aliens chez toi, tu m'as dit. Hein. Ouais. Bah apparemment ici aussi, hein. Il y a quelques mecs qui roulent très très fort. J'ai roulé un petit peu avec eux hier. J'étais dommage. Valentin, roule bien. Très bien. Romain, tout ça, ils roulent fort les gars. Romain, Jérémy. C'est bon pilote quoi. Non, ils sont tous bien. Hein. Ouais. C'est bien, c'est très bien même. Ça promet des belles batailles tout au long du championnat en tout cas. Ouais. Alors, Zivan, Valentin,
au classement premier. Il est P1. Oui. Avec combien de points d'avance sur le deuxième? Alors attends, je vais te dire ça, je regarde. Il a 71 points. Et Simone Hénardy qui est second avec 58 points. Sébastien Deville, troisième, 52. Ah ouais, bah, tout est encore jouable alors. Hein, donc, Oui, bon. Non, alors attends. Il y a une erreur sur l'affichage là du classement du serveur qui n'est pas mis à jour. Il n'est pas au jour. Non, je vais chercher. Ah, la régie. Ah. On va aller licencier. Hein. Alors, Valentin qui nous a fait déjà pour le moment une 13-697. Ouais, Valentin qui est pas loin de... De Deville, Sébastien. On sait que Valentin il en a sous le pied, donc attention à la qualif. Attention à la qualif. Ouais. Il peut nous surprendre. C'est pas joué encore. C'est rien n'est joué là. Après sur les deux dernières courses, je crois que c'est Sébastien qui avait pris la pole position, hein, si je ne me trompe pas. Sébastien. Peut-être pas sur Barcelone parce qu'il était pas là, mais sur Miami et l'autre, il avait pris la pole position. Oui, parce que sur Barcelone, c'est. C'est Romain, je crois qu'il avait, non? Je crois, oui, je crois bien que c'est Romain qui l'a eu. Valentin là, lui a repris, et après, je crois que Romain lui a repris en pleine course. Si mes souvenirs sont bons. Hein. Ouais, si mes souvenirs sont bons aussi, hein, après je me trompe peut-être. Mais... Ouais, on peut se tromper. Hein. Bah, il y avait après, une belle bataille avec Simonet. Ouais. Bah, j'espère que ce soir, bah, on aura le spectacle comme on a eu la semaine dernière. Très beau spectacle qu'on a eu. Hein, Des belles batailles, des beaux les joueurs, je pense qu'ils ont ils ont dû apprécier. Oh, j'espère. Ah oui. Alors, j'ai les points actualisés. Donc, Valentin qui est premier avec 121 points. Ah, ouais. Simone Hénardy qui a 82 points. Ah. Et Jérémy, troisième, Jérémy Moguet qui a 79 points. Ouh. Oh, ça fait un paquet de points sur Valentin, quoi. Ouais, bon, alors. Rien n'est joué pour le moment. Attends, même en pesant. même en pesant. Voilà, et pour l'instant, Valentin est confortablement installé. Après, rien n'empêche que. Bon, maintenant, il faudrait qu'il rate deux courses pour. Voilà. Ouais. Parce que s'il est présent à toutes les courses et que même s'il fait 2-3, avec la ce qu'il a. Ça va aller vite, hein. Ouais. Ah, il y a Cyril Calvino qui nous dit bonsoir sur le stream. Salut Cyril. Salut Cyril. Il ne participe pas à la course, Cyril. On dirait que non, il n'est pas sur le serveur encore. D'accord. Ah, oh, bah attends. Il va arriver. Donc voilà, les pilotes sont partis pour la qualif, 30 minutes. Ouais, 30 minutes. 30 minutes de qualif. On va observer ça attentivement. Alors les points en team, la première équipe c'est donc Jay et Valentin, Laro eSport, qui est à 200 points. Ah. La team Deville montée en Ferrari, 132 points. Et la team Hermès Purple qui a 124 points. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Pas mal tout ça, ouais. Donc il y a un grand trou entre les 3e et les 4e avec les brochets où ils ont 54 points.
Ok, ok. Mais bon, les brochets, ils n'ont pas participé à toutes les courses, je crois. Il y avait qu'un pilote. Il y avait qu'un pilote qui a participé. Il y a eu un manquant sur la semaine passée. Exactement. Donc j'entendais quand je suis arrivé là tout à l'heure l'échange entre les pilotes et ils évoquaient vraiment des difficultés pour faire tourner la voiture. Ah ouais ouais. Ouais. Ah il y a Calvino qui dit qu'il n'est pas là ce soir et qu'il va suivre. Ok, encourage bien les copains. T'es avec nous. Ouais, ouais. Il faut vraiment trouver le bon setup hein, pour ce circuit qui est particulier quoi. Oui, très très particulier. Allez, on a Valentin qui met un premier tour en une 13 819. Un très gros tour de Valentin. Mon afficheur n'affiche encore pas le temps de Valentin. Est-ce qu'il n'est pas pris en compte? Si, si. Ok. Donc mettez-vous bien, on est à Monaco. Sortez votre petite mousse au fond du siège. Allez, on a Romain qui va améliorer. Mais c'est pas suffisant pour prendre la pole. Pas suffisant. Et Nardi qui rentre au pit. Ah, Cédric qui chauffe les pneus là, qui fait des zigzags. Oh, gros freinage pour Moguet. Allez, Moguet qui est en amélioration. Oui. Une 16 pour Moguet. Dixième. Ah, il y a un petit train là entre Valentin et une équipe de l'Hermès. Ah, il faut pas qu'il se gêne. Ouais, ah, il le laisse passer, il s'est écarté, Valentin passe. Ah bah nous on est bien installé sur le yacht là, hein, tranquillement les copains. On a les pieds dans l'eau. C'est ça. La petite coupette de champagne. Ah, Valentin qui va partir pour un deuxième tour lancé. Ça passe très très proche du mur. Un petit coucou à Alain aussi là qui doit être dans le coin dans les parages à regarder le live. Salut Alain. Salut Alain. Salut Alain. Là, on a Valentin qui a mis la barre très très haut d'entrée. Ouais. On a Deville qui s'est rapproché à 3 dixièmes. Romain à l'écho. Ah Valentin.
enfin se foire un petit peu. C'est en amélioration. Ah, il va améliorer là sur le dernier virage. Très bon tour. Une 13-621 pour Valentin. Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Il place la barre très très haut. Ouais, il améliore son dernier secteur là, il fait fort. Ouais, ouais. Surtout que le dernier secteur est très compliqué. Simonet vient d'effectuer son premier temps. Alors Simonet... Ouais. En 1.15.909. Oh, ça va descendre, ça va descendre. Oui, ça va descendre, ouais, je pense. De ville rentre au pit. On va suivre le tour de Nardi. Oh, ah. Il touche le mur. Aïe, 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 aïe. La mauvaise affaire pour lui, là. Il a mal jaugé son entrée. Ouh, dans la rascasse, attention, il est à l'envers. Ok, ça va. Allez, Nardi, on se ressaisit. Andiamo, andiamo. Forza, forza. Qui perd pas de temps, qui repart directement. Yato qui a pris la quatrième position du coup là. Oui, oui, oui. Yato qui est à l'aise. Hein, Il affectionne le circuit. J'ai l'impression, ouais. Ouais. Ok, il rentre au stade. Ah, il rentre au stade. Il améliorera pas son chrono. Bah, le 2, 3 et 4 dans un mouchoir de poche. Hein. Sont plutôt prêts, ouais. Ah ouais. Alors Sébastien qui s'élance, tour lancé. Ouais, tu as fait une très belle sortie du premier virage. Passage du casino, très proche des murs. Ouh là là. Le premier virage, le Mirabeau, le Fairmont. Le virage le plus lent du circuit. Sur le portier. Ok, il est un petit peu en avance. Allez, allez. Allez, Sébastien. Allez, il a perdu un petit peu de temps dans la chicane. Ouais. Ça passe très très proche des murs. Ouais. Il ne sera pas plus vite. Non. Non. Il est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça, Sébastien. Peut-être un temps de pole. Allez, allez. Ouais.
Et voilà, c'est fait pour Sébastien qui prend la pole. En 1.13.446. Bravo à lui. Ouais, c'était, un tour, c'était un tour parfait. Très proche des murs, beaucoup de vitesse. Félicitations à lui. Alors est-ce que Valentin va se réveiller, va poser son petit café et retourner dans la voiture? On va voir ça. Ouais. Ses ingénieurs sont sûrement en train de lui dire que il vient de perdre la pole. Allez, on a Yato toujours en quatrième position. Nardi n'a pas réussi à faire la différence sur Yato pour l'instant. Tout à fait. Oh, Romain, il tape. Aïe. Aïe, il a tapé. Ah, ça va taper ce soir. Ah, je pense. Hein. Ah, ouais. Mais il va y avoir du boulot pour les mécanos. Je vais mettre le plein dans la safety car, on sait jamais. Oui. Allez, bonsoir à ceux qui nous retrouvent ce soir pour ce championnat FSW réalisé par l'association FSW. Notamment Lucas, c'est mis les mains dedans. Et ce soir, on a une livrée spéciale pour les safety cars. Oui. Avec des jolis stickers. Ouais. Ouais. Et Nardi qui améliore son temps là. Oh, c'est toujours pas la quatrième position, c'est très très proche de Yato. À 20 centièmes de Yato là. Ah, il a cogné. Oh, donc ils sont tous en soft comme les essais de ce soir. Ouais, ouais. Allez, là, les softs, c'est le meilleur compromis, hein. Oui. Je pense pas que les hards seront sortis ce soir. Hein. Il en reste 15 minutes pour faire leur temps. La moitié de la qualif est faite. Bah ouais, la moitié de la qualif est faite. Hein. Pour l'instant, on a Sébastien en pole position, suivi de très près par Valentin Kondratovic et Romain Seigneur en troisième. Et il y a Julien Bellegarde qui nous salue. Salut. Salut Julien. Salut. Salut également. Alors il demande si on a la forme. Oui. Ah ben oui oui. Oui oui oui. Heureusement que les états changent. Ce matin c'était pas ça. Ce soir ça va. Ouais, j'avais mal aux cheveux ce matin. J'avais un petit peu mal aux cheveux. Ah oui. Ouais, écoute. Hein. Ou Nardi qui tape le mur du casino. Ouais, il allait peut-être au casino là, jouer de l'argent. C'est pas bien, hein, ouais. Les jeux d'argent là. Jeux d'argent, faut faire gaffe. Ça vous emporte. Nardi qui essaye vraiment d'attaquer, mais pour l'instant il trouve plus les murs que la piste. Ah ouais, mais... Et ça va aller pour lui, je pense. C'est quand même quelqu'un de solide, on l'a vu à la dernière course. Là il a lâché l'affaire. Ouais, là il a lâché. Ouais. Ouais. Allez, Nardi, Simonet, on se ressaisit. Arrêté sur le bord de la piste et qui retourne au stand. Ah,
il pourra pas reprendre la piste. Simone Nardi, il a fait appel à la dépanneuse. Il n'a pas pu ramener sa voiture au pit. Du coup, il pourra pas repartir. C'est terminé pour lui, la qualification. Donc Simone, pour le moment, est P5. Oui. Et Moguet, pas loin hein, de Simone. Jérémy, ouais. Allez, est-ce que Lorenzo Musso va essayer de se décoller de sa 8ème place ? Avec sa livrée Malboro. Ah, il a amélioré son deuxième secteur. Oh. Oula. Ça a touché la barrière. Ah, il rentre. Ouais, tu n'avais que ça à faire. Hein. Ah, ouais. Moguet rentre au pit aussi. Yato, il coupe. Sébastien Deville là, qui était dans le marque, qui était dans le mal, ça fume. Ah oui. Ouais, est-ce que c'est un abandon? Non, ça repart. Ah. Ça repart pour Sébastien. Allez, on a Romain qui est en nette amélioration là. Oh. Ah, il s'est un peu précipité. Il n'en voit rien. Ah, il a voulu rentrer au stand au dernier moment, mais ouais. Pas trop fort. C'est dommage, il était bien là dans le premier et deuxième secteur. Il en a trop voulu sur le dernier. Allez, plus que 10 minutes de qualif. C'est le moment ou jamais. Alors, tu nous as demandé si ça allait bien, Julien, mais j'espère que ton côté ça va bien hein, aussi. Hein. Oui. J'espère qu'il arrive à dormir, notre ami Julien. Allez, on a encore un pilote qui n'a pas fait de temps. Oulala! Valentin qui vient de laisser passer. Jérémy! Oh! Valentin, il s'est payé le mur. Ah. Espérons qu'il n'a pas trop abîmé la voiture. Allez, on a toujours Jérémy qui est à l'attaque. Ah oui. Allez, il y a un coup à jouer dans le dernier secteur là. Améliore un petit peu, mais... C'est passé. Bon, la prole. Non, pas pour la fin. Mais il a amélioré. Amélioré, ouais. Allez, on est reparti pour un tour.
Alors Julien nous dit qu'il va bien et qu'il se refait une forme olympique. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, ouais. Allez, Jérémy, qui a pris une bonne chicane. Ouais. Oh, puis tu touches un peu là. Allez, ça va le faire. Ça va le faire, ouais. 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 Non ? Et si, oui, P4. P4. Bravo lui. Bravo, bravo. Il y a Frédéric Estruche qui est venu se positionner en P9. Estruche. Avec la voiture débranchée. Débranchée. Estruche qui avait fait une très belle course à Barcelone. Ouais. Vous avez offert de belles batailles avec Yato. Yato. Ouais, ils ont fait des belles passes les deux, ouais. Donc comme on peut le voir, cet événement est sponsorisé par LDLC Avignon, Mistral. On remercie et qui offre un lot de un ordinateur portable pour le premier à plus de 1500 boules, un pack clavier souris et pour le deuxième et un clavier pour le troisième. C'est des beaux lots. Ouais, on les remercie. Allez, plus que 5 minutes. Alors là, la version de la piste que vous voyez, c'est un petit peu la version nettoyée que moi j'ai spécialement pour le stream. Oui. Et bah, pour celui qui veut vraiment découvrir la piste, comment elle est pour les pilotes, il y a une petite vidéo qui va sortir. Enfin, des tours de Hayes hier en essai sur la safety car. Reconnaissance de la piste. Voilà. Bon, je pense que tu la connais très bien, cette piste. Non, non, non. Non ? Quelques tours dessus. Mais... Mais avec la safety car, c'est sympathique. Hein. C'est très joueur. Ouais, je te confirme, moi j'étais avec la medical car, effectivement. Ouais, t'as compris de ce que je voulais dire. Ah. Ça part du cul. Ah ouais, j'ai compris la douloureuse. Bah moi j'ai pas pu l'essayer puisque je pouvais pas rentrer. Ah mince. C'est vrai, t'es resté sur le bas-côté avec la trottinette. Allez, Struchy. Qui essaye, qui donne tout. Bah il a amélioré un tout petit peu. Eh, il a amélioré un petit peu. Ah bah il va peut-être lui rester un tour deux lancé. Deux dixième, il a amélioré. Ah il ouais. Va au pit. Il rentre au pit. Il va changer les gommes, remettre un peu d'essence. Alors Sébastien, il part pour un tour lancé. Ah ben Sébastien s'est fait prendre la pole, hein. Ouais, par Valentin. Ouais, bien choix Valentin. Ouais, très gros tour.
Est-ce qu'on va avoir la réponse de Sébastien ou de quelqu'un d'autre, hein. Peut-être Romain qui... Et pourquoi pas Moguet ? Pourquoi pas Moguet ? Bon, il est un petit peu loin, il a un petit peu de temps à rattraper, mais on sait jamais. Ouais. Avec qui est plutôt bien là, Moguet. Oh là là! Sébastien, il a tiré tout droit à la chicane. Ah, il a pas envie de perdre de temps sur son tour de sortie, j'ai l'impression. Ouais. Ah. Non, là, Moguet, il est pas en amélioration. Non, non, pas du tout. Allez, Sébastien, on l'encourage. Yato, pour la 4, il lui reste pas grand chose. Hein. Ah, Yato aussi, il peut y aller. Ouais. Oh, il prend beaucoup de vibreurs là. Ah, ouais, là, le vibreur. Allez, c'est quand même pas mal, c'est bien sorti. Dans le tunnel à fond. Le freinage aux 100 mètres. Oh, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, le tabac, on fait gaffe. Ah. Oh, une couchette là. Ah, ouais, ah, ben ce virage, c'est vraiment. Ah ouais, t'es balancé. Avez... Ah oui, il faut se jeter dedans, il faut pas le louper. Hein, parce que... C'est dommage pour Yato. Ouais. Mais qui peut-être, mais une... Ah ben oui, il est passé quatrième. Incroyable. Une 14-671. Bravo à lui. Ouais. Allez, Romain, est-ce qu'il va avoir le temps de faire un autre tour, je pense. Est-ce que Moguet va améliorer ? Non. Et si, il reprend la 4ème. Ouais. Oh. Bien joué. Une 14-158. Bien joué, Jérémy. Bravo. Ah ben, je pense que ça va bien se batailler entre les deux, là. Ouais. Moguet et Yato. Allez, Romain qui va pouvoir s'élancer pour un dernier tour. Ouais. Allez, on ne fait pas d'erreur. C'est bien, c'est rapide, c'est près du mur. Ouais, c'est pas mal ça. Très proche des murs. Moguet, il améliorera pas, il a tapé le mur. Aïe. À travers. Sens inverse. Allez, Romain. C'est pas mal. C'est pas... Ouais, comme tu dis. Ah, il s'est un petit peu loupé là. Ouais. C'est dommage, c'est bien essayé. Alors regarde. Et voilà. On a Estruche encore en piste. Ouais. Qui est dans ses chronos, je pense. Ouais, je passe. Mais qui ne passe pas. Non. Il reste toujours 9ème. Donc voilà, fin des qualifs. Valentin, premier, pole position. Ouais. Une 13-332. Bonne bataille entre Valentin et Sébastien. Valentin, Sébastien, là, il... Romain, avec Moguet et Yato... Ouais, c'est serré. C'est serré. C'est pas mal. C'est pas mal. Bonsoir à tous. Ah, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ah ben, très bien, et toi ? Alors, t'as pas... Espéré, mais je suis pas arrivé à renouveler mon exploit d'hier soir, mais... Dommage.
mais ça va, c'est pas la troisième, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est pas mal. Bah, surtout que c'est Monaco est un circuit très très difficile pour dépasser. Oui. Il n'y a qu'un seul endroit où vraiment on peut déplacer, c'est la ligne de départ. Ouais. Donc il va falloir être patient et puis surtout bien gérer ses pneus, je pense. Et ne pas toucher les murs. On voit que ton coéquipier a fait un bon temps là aussi. Bon temps, ouais. Ouais. Il va falloir faire un travail d'équipe pour vous, peut-être. C'est ça. Eh ouais, ouais. En tout cas, ça promet, ça promet. J'en profite aussi pour saluer tous les gens qui sont en train de nous regarder. Bonsoir à tous. Et puis, je vais aussi préciser, ce soir, exceptionnellement, on va avoir une dizaine de minutes de décalage avec le départ original. C'est-à-dire, normalement, on départ à 21h10. Là, ce soir, on partira aux alentours des 21h20. Et donc du coup, je reviens d'ici quelques minutes. Okay. Très bien. Ok. Hey, monsieur Arrobas, bienvenue. Ça va les gars, tout forme. Bienvenue. Salut. Ouais, toujours à l'antenne, là. On est à l'antenne, ouais. Ah, bonjour à tous. On est en direct. Oh, j'ai fait les qualifications cette fois. Il fallait le faire, Monaco. Oui, Monaco, c'est incontournable, il faut le faire. Bah, moi, je me souviens même quand il y avait Monaco dans la liste, tu disais, oh, celle-là, je ne vais pas la faire, elle est trop dure. Et t'es là, bravo. Ouais, non, mais il s'est dit. Ça va taper ce soir, mais bon, c'est obligatoire. C'est obligatoire, ouais. Allez messieurs, je vous laisse, bonne soirée. Merci, allez, bonne course à toi. Bonne course à toi. Hein. Merci. Merde à toi. Et bien... ah, ils sont chauds, les pilotes, ils sont chauds. Oui. Allez. Donc là, on a la belle livrée dans laquelle... il y a eu un redémarrage. Non, c'est bon. Non, c'est bon, il y a une mise en grille. Mise en grille, oui. Allez, on a les trois safety cars. Alors, Lucas, bah, il n'a pas fait le temps. Hein. Ouais. Non, Lucas, c'est là, justement. Au moins, il est là. Il vient d'arriver. C'est justement pour ça que. Donc, on a 11 pilotes hein, au départ, c'est bien ça. Hein. Voilà. 11 pilotes au départ. C'est justement pour ça qu'il y aura un peu de retard. Alors du coup, j'en profite aussi pour préciser une petite chose. Cette semaine, on a eu la chance d'avoir en fait beaucoup de donateurs au sein de la Ligue et puis à l'extérieur de la Ligue, dont aussi je remercie SR1. Et ça nous a permis d'acheter notre nouveau modèle 3D parce que on est une jeune Ligue, c'est la première année, donc il a fallu qu'on fasse nous-mêmes le développement de la voiture. On voulait avoir notre propre voiture, mais c'est vrai qu'elle n'est pas encore tout à fait aussi réaliste que ce qu'on pourrait les voir en vrai. Et donc hier, l'association a acheté un nouveau modèle 3D qui va donc être travaillé durant les prochains mois, de sorte à pouvoir être adapté et mis en fonction sur le championnat. Alors, on ne sait pas si on va proposer ce nouveau modèle pour le championnat 2022, parce que ça demande quand même malgré tout beaucoup de temps. D'ailleurs, j'en profite aussi pour saluer Mister Dickey, qui est notre nouveau développeur, qu'on a aussi rencontré il y a très peu de temps, et qui fait un travail formidable. Et donc on est pour l'instant en pleine évolution. D'ailleurs, il va y avoir aussi des mises à jour au niveau de la physique la semaine prochaine ou d'ici 15 jours pour Bakou. Je crois que c'est 15 jours hein, qu'on a de pause entre les deux. Oui. Arrêtez-moi si je me trompe. Je vais te confirmer ça. Et donc on se retrouvera dans 15 jours avec un déploiement d'énergie sur la batterie de la voiture qui sera différent. Une puissance de turbo un tout petit peu réduite avec un drag, donc une résistance à l'air, c'est assez simple, qui sera un peu plus importante de sorte à ce que les voitures n'aillent pas plus vite, mais une modification aussi sur le train avant de sorte à équilibrer la voiture, parce qu'on se rend compte sur des petits circuits, ça malheureusement on a pu le voir que arrivé à Monaco, que les voitures avaient beaucoup de mal à prendre des virages assez serrés. Et c'est vrai que c'est notre premier mode, la physique, ça se travaille sur des années. Il y en a qui mettent des fois, parfois des années, à arriver à sortir quelque chose d'aussi réaliste qu'en vrai. Et encore, c'est très difficile hein, d'arriver à sortir quelque chose d'aussi réaliste qu'en vrai. Et donc, la semaine prochaine, il y aura de grosses améliorations.
je disais au niveau du déploiement d'énergie, on aura plusieurs modes de déploiement d'énergie. Aujourd'hui, on a un mode hot lap, donc pour les qualifications qu'on vient de regarder. Et on a aussi un mode race qui permet de consommer moins de batterie et donc de gérer, en fait, de faire une gestion entre le mode éco, race et hot lap. Donc le mode éco étant le mode de recharge de la batterie. Et on aura aussi un autre mode de déploiement qui est le mode moteur et mode batterie, en fait, qui sont deux modes de recharge. On appelle ça le MGUH et le MGUK en langage de Formule 1, en langage technique. Et donc ces deux parties-là vont permettre, en fait, de gérer et de déployer l'énergie de manière différente, ce qui va pouvoir optimiser les stratégies qui seront disponibles. Donc ça, c'est quasiment terminé en termes de développement. On pense que ce sera amené pour Bakou. On aura aussi une modification sur les pneus hard qui en fait ne tenait quasiment autant que les médiums, ce qui n'était pas tout à fait normal. Donc on sait qu'on est une jeune ligue et qu'on débute et qu'on apporte, on essaye d'apporter quelque chose d'aussi réaliste que possible autant aux pilotes qu'aux gens qui nous regardent. Et là on améliore notre système de sorte à être encore plus raccord avec la réalité. Voilà, et ça c'était pour les petits plus. Et puis j'en profite encore une fois pour saluer SRA qui nous accompagne au quotidien sur les streams. On vous remercie. D'ailleurs, avec la nouvelle présence de Haze, c'est ta deuxième course. Franchement, je suis très content de t'avoir parmi nous. Ah ben merci. Je suis aussi content, Vivant et Biwix, de vous avoir parmi nous. C'est une très bonne collaboration. On aura certainement aussi une autre chaîne qui apparaîtra en double. De ce que propose SRA pour que on puisse toucher encore un maximum, encore un peu plus d'auditeurs, de viewers. Donc voilà, les choses évoluent, on y va tranquille, mais on essaye de faire les choses bien. Eh ben c'est parfait. On te remercie aussi. Merci de nous accueillir ici. Eh ben c'est un plaisir, vraiment. Et donc, on en fait, c'est... Ouais. Oui. Vas-y, je t'en prie. Non. Alors, Donc les 10 minutes qui ont été qui permettaient de décaler un tout petit peu le Grand Prix sont dues au fait que on a Lucas, notre administrateur président de l'association, qui a commencé tard le travail et qui finit en fait à quelque chose comme 20h45 et qui devait être là pour prendre le départ à 21h10. Il nous a demandé si on pouvait décaler de quelques minutes le Grand Prix et puis on a accordé, effectivement, je pense que c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Ça nous permet aussi de discuter avec vous, d'interagir. Je vous invite dans le chat, pour les viewers, à ne pas hésiter à laisser vos avis sur ce que vous voyez, si vous avez des idées qui pourraient nous permettre encore d'évoluer. On essaye en fait déjà de préparer pour l'année prochaine, donc déjà de finaliser et de faire les choses bien pour le championnat 2022, mais aussi de préparer un championnat de Formule 2 pour l'année prochaine qui permettrait d'avoir deux divisions. Donc en fait, les 5 derniers du plateau de Formule 1 descendraient en division Formule 2 et les 5 premiers de la division Formule 2 monteraient en division Formule 1, qui permettrait en fait de générer un intérêt à vouloir participer au championnat de F1 et puis surtout de mettre les gens qui ont avec un certain niveau, avec le bon niveau, aux bons endroits. Donc je pense que ça c'est une chose importante. Ouais, en voilà de bonnes idées. Donc on a plein d'idées, on travaille dessus. On a d'ailleurs un nouveau collaborateur GMGE qui est travaille beaucoup sur Content Manager et qui nous apporte énormément de connaissances en termes de visuel, de gestion des modes, parce que Assetto Corsa est un jeu formidable dans le sens où on peut y ajouter tout et n'importe quoi. Ça va de la météo jusqu'au changement de couleur des pneus. C'est assez vaste. Autant on peut ajouter des voitures, on peut ajouter des circuits. C'est assez complet. C'est vrai qu'on voit derrière, tout derrière, il y a une R8 Gordini là qui se cache. Ah bon. Peut-être extérieur de, ouais. Extérieur de la piste alors. C'est chouchou. C'est chouchou. Ah, d'accord. Bonsoir Chouchou, d'ailleurs, peut-être que tu nous observes. Ouais. Et donc, je disais que voilà, on a deux nouveaux collaborateurs, Jay donc, et Sébastien Deville, qui est mon coéquipier actuel au championnat. Ils vont nous aider en fait à mettre en place la partie Formule 2. On va essayer de déléguer un maximum de choses
à d'autres personnes, parce qu'on est 5 collaborateurs chez FSW, principalement administrateurs, mais c'est vrai qu'on a d'autres personnes qui gravitent autour de l'association et qui sont prêts à vouloir donner un coup de main pour ce genre de choses. Donc on est très content. On rappellera aussi Anthony Ferry, @ qui nous aide beaucoup et à qui j'ai demandé de tester les circuits au fur et à mesure en avance, toujours en avoir 2 ou 3 en avance, de sorte à être sûr de choisir les bons circuits. Parce que même là, par exemple, pour Monaco, on se retrouve avec un circuit qu'on a dû changer en cours de semaine, parce qu'on s'est aperçu que, par exemple, dans les pits, on avait un sens interdit, et puis quand ils vont s'arrêter faire leur pit et repartir, et bien au moment où ils repartent, ils ont 20 secondes de pénalité, ça les replace sur leur box. Donc, par mesure de sécurité, on préfère commencer à s'atteler à préparer 2-3 circuits en avance, de sorte à pas se retrouver avec ce genre de problématique. C'est toujours mieux. Hein. Donc voilà, dans les grandes lignes, c'est un peu ça. Et j'ai partagé sur Facebook des photos concernant le nouveau modèle 3D, qui est vraiment magnifique et qui apportera un réalisme encore un peu plus important au championnat. Et je pense que ça c'est quelque chose de très intéressant. Roman? Oui. Have you restart the race now? Yes, I have restarted the race for you. This is Luca. Luca est notre administrateur et la personne qu'on attendait justement. Et le fait de l'entendre là, c'est parfait. Are you ready? Yes, yes, I'm on the track. Okay, perfect. Okay, the race starts in 9 minutes. La course démarre dans 9 minutes. Vous faites encore un peu de discussion ou vous avez peut-être des questions à nous poser? Non, t'as été très après, rien t'empêche de rester avec nous. Ah oui, bien sûr. Très prolixe. Non, mais c'est bien. J'en profite quand même pour rappeler le principal. C'est que nous sommes sponsorisés par LDLC Avignon, qui est un magasin d'une chaîne informatique française assez connue. Oui. Et qui nous met à disposition 1 600 € de lot. On a un ordinateur portable à gagner, des packs clavier, souris, tapis de souris, casque audio, un clavier, et puis des goodies en plus. Et aussi, FSW, Formula Sim Racing World, donnera donc des coupes pour les 3 premiers du championnat, les 3 premiers constructeurs, et celui qui aura réalisé le plus de hot laps durant les qualifications de l'ensemble du championnat. Voilà, ça c'est pour les lots qu'on met à disposition, de sorte à donner quand même un cadeau à la fin du championnat, et je pense que ça c'est un petit plus qui est quand même pas négligeable. Ah ben ça fait toujours plaisir, hein, bien sûr. Hein. Exactement. Même si le principal reste de participer. Hein, le loisir et le plaisir avant tout, parce que c'est ce qu'on essaye surtout de... Et je pense qu'ils l'ont bien compris pour la majorité des pilotes. On est là malgré tout pour un aspect compétitif, parce que le but étant de gagner, hein, on peut pas lutter contre ça. Mais en dehors de ça, on essaye de créer une famille assez soudée, solidaire. Les premiers ont tendance à vouloir, donc les premiers du plateau, c'est pas qu'on les force, mais on les intéresse à aller aider les pilotes qui se trouvent au plus bas du plateau, de sorte à s'améliorer et à performer au fur et à mesure du championnat et à évoluer surtout. Le but est quand même malgré tout de passer un bon moment, de faire passer un bon moment aux gens qui nous regardent, et puis nous, de nous faire plaisir. Donc je pense que ça c'est ouais. Je pense aussi très très important. Voilà, je vais aller finir de me préparer, il me reste 7 minutes. Je souhaite à toutes les personnes qui nous regardent une bonne course, et on se retrouve pour l'interview après la course. Ah bah bonne course à toi. Et on te souhaite aussi une belle course, Romain. Belle course. Merci, on va croiser les doigts parce que les murs à Monaco, ils sont très très proches. Ouais. Bonne chance. Bon courage à vous, bon stream, et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, il y a Jay qui fait coucou. Salut Jay. Salut. Il y a 13 bots en anglais qui écrit quand est-ce que la race start. 6 minutes, Mr. Boat. Yep.
Apparemment, on a Anthony Ferry qui a choisi une stratégie en médium pour le début de la course. Et Valentin, du coup, ouais, il est absent. Il vient de rentrer, là. Voilà, voilà. Donc, les pilotes sont tous là. On a Luca Viola qui est arrivé un peu en retard, qui n'a pas fait la qualif. Ouais, malheureusement pour lui. Ou par fond gris, quoi. Ça va être une petite remontée pour lui, on l'espère, sans trop d'embûches. Ça va être un peu difficile, hein, sur, sur Monaco. Après, bon, il y a toujours les murs, hein. Il y a toujours les murs pour aider, hein. Ouais. Ouais, ouais. Ah, ce qui va être intéressant de voir, c'est aussi comment ils vont gérer les drapeaux bleus, Les drapeaux bleus, on sait que d'habitude c'est déjà compliqué, alors sur Monaco ça l'est encore plus, donc on va voir ça. Pas beaucoup de place, hein. Pas beaucoup de place pour laisser passer, pour et pour doubler. Hein. Ça risque d'être intéressant. Alors effectivement, la prochaine course sur Bakou, c'est le 10 juin. Dans deux semaines. Toujours. Encore un circuit urbain, Bakou. Ouais, on a aussi des murs de partout. Ouais. Encore un circuit bien technique. Hein. Ouais. Donc, la pression monte tout doucement. Il va y avoir 78 tours d'effectués, un tour de formation. Et j'ai appris aujourd'hui que Monaco, c'était le... Il faisait 260 km au lieu des 300 sur le championnat. Ouais, il y a moins de kilomètres, c'est ça? C'est ça. Oui. Oh, il y a au Canada. Salut! Salut au Canada. Au Canada, salut. Ça fait un moment, comment tu vas bien? Oh. C'est vrai que ça fait un moment qu'on le voit plus, ouais. Hein. C'est vrai. Au Canada qui est passionné de monoplace. Ah ben pourquoi tu participes pas à ce championnat alors au Canada? Il a peut-être pas trop le temps non plus. Ouais, il a ses études aussi. Un peu jeune en plus, je crois. Voilà, il est jeune, il a ses études. Il a les parents derrière le dos. Bah surtout lâche rien. Ouais. Continue. Ouais, ouais. Continue comme tu fais. Comme tu fais. Les études aussi, c'est important. Très important, beaucoup plus important. Ouais, il dit que cette année, il n'a pas pu rouler avec nous. Ah bah oui, ça fait un moment qu'on ne le voit pas au Canada. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je me rappelle d'au Canada, très bon pilote. Hein. Ouais. Il attaquait fort avec la radicale. Je me rappelle qu'il y avait rapide, eu des belles batailles. Ouais. Très rapide. Ça, j'en ai encore le souvenir, voilà. Je sais pas si... Si lui c'est pareil, mais. Oh oui, il m'avait posé un petit peu de fil à retordre, hein, je m'appelle. Voilà, Fitz, ça se voit pas. Ouais. Il avait gagné ce championnat, non? Non. Il a pas gagné le championnat. Non. Il était deuxième. Ah, il passe le bac à la fin de l'année, là. Super. Bah, merde à toi, hein. Ah ouais. Ah, il a revu la vidéo, son premier win en radical hier. C'est YouTube qui lui a recommandé de le voir. Ah ben voilà, tu vois. Il était content de le revoir. Ouais. Ah ouais, il était deuxième, il dit, ouais. Très très bon pilote pour son âge. Oh oui. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, le jeune. Allez, 1 minute 20. 1 minute 20 avant le tour de chauffe. Attention, est palpable. Dans le casque là, ça doit chauffer.
Ah, on a perdu Zivan. Ouais. Non, Jux. C'est moi. J'ai préféré assurer C'est Zivan. Mon retour, parce que vous me connaissez, hein, j'oublie. Je suis pris dans la course. Tu es le meilleur pour ça. Au milieu. Tranquille. Ah ouais. Je me rappelle d'une fois où c'était vraiment pas passé loin. T'étais à la sortie d'un virage et. Mais c'est, ça a été fréquent, hein. C'est pas bien mal, toi. Ouais. Ah là là. Mais vous savez, quand on est vraiment pris par la course, je le zappe complètement. Oui. Là maintenant, je me suis dit, il faut que ça devienne un réflexe. Ouais. Allez, les feux. Allez, ça va partir. Qu'est-ce que j'ai eu ? Est-ce que mon jeu a craché ? Allô ? Je sais pas. Alors c'est bon. Ok. C'est parti. Parti pour le tour de formation. Moi, je vais me placer à la sortie des stands. Prêt à bondir. Oui, parce que ce soir, je pense que tu vas avoir du travail. Ouais. Surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a des accidents, des pilotes à l'arrêt, des pilotes au ralenti. Voilà, Lucas est dans la voiture, il ferme la formation. Livré Marlboro. Voilà, la file indienne derrière Valentin, le P1. Oh, Romain qui a tapé le muret. Aïe. Comment s'il va voir la voiture cassée dès le début ? Oh, c'est pas une bonne opération, ça, attention. Ah non, pas une très bonne opération, comme tu dis. Hein. On va remonter toute la file, se replacer. Allez, Romain, on se ressaisit. Ah, est-ce que c'est de vouloir chauffer les pneus ? Ah, allez, je vais suivre ça. Je vais suivre ça du fond de grille. Tout le monde est positionné. Et c'est parti. C'est parti, Cédric qui s'est un peu arrêté sur le départ. Ouh là là. Ça a l'air plutôt propre. Ok, le premier virage sans encombre. Simonet. On a Jérémy qui a gagné une place sur Nardi. Oh, Nardi. Il a tapé. Nardi. Oh là là. Jérémy Mogué qui dégringole. Il y a toi aussi. Aïe. Et ça a l'air d'aller pour Jérémy, il a pas l'air d'être trop cassé. Il y en a qui viennent prendre deux places. Ça fait la bonne opération, ouais, pour Lucas. Attention au freinage. Et Valentin qui a déjà pris un bon petit gap d'une seconde. Ouais.
Oh, Viola qui touche, Mouguet. Ouais, il y a Jérémy qui met la pression à Viola. Ouais. Sur l'intérieur, là, l'intérieur, oui. La passe pour Jérémy. Joli dépassement sur la Rascas. Ouais, il va éviter de perdre au maximum de temps, hein, Jérémy, là. Il va devoir attaquer, faire des dépassements propres. Lui qui a, à mon avis, une voiture un peu dégradée. Oh, c'est très proche devant, là, entre Deville et Valentin, qui sont très très près à l'épingle. Allez, ça entame le tunnel. Il va avoir le courage de faire les freins. Je pense pas qu'il est trop loin. Bonsoir, oh, Stéphane. Il y a Stéphane qui est dans le chat qui fait coucou. Salut Stéphane. Salut Steph. Alors moi et mon anglais, ça fait deux là, je comprends pas la question. What the silly. Ah, Mogi qui vient de taper les fils. Aïe, aïe. Oh là, il y en a un au ralenti là. Bah c'est Mogi, hein. Il a tapé Estruche, il attend. Ouais, Mogi, il est pas bien là. Ah ouais, là on game pour le moment. Bon, ouais. Petit accrochage avec Estruche. Musso qui est de Musso. Et il a perdu le prince. Nardi en bataille avec Romain Seigneur. Oh, ça défend. Mouguet. Sur Estruche. Voilà, je sens qu'on va pas s'ennuyer à ce Grand Prix là. Ouais. Estruche qui va essayer de trouver le meilleur sur Cédric. Oh yeah. Il attend la petite erreur. Ah, peut-être la dernière. Ah non, non, non. Il a pas osé. C'est très serré là. Peut-être sur le tunnel. Ah, c'est lui qui s'est pris deux places. Ouais, on a David qui s'est pris deux places, ouais. Ouais, ouais, on n'a pas vu ce qui s'est passé, peut-être une... Non, il a... je sais pas, il est à l'entrée du... Ouais, ouais. Kondratovic qui vient de faire le meilleur temps. 1.17, 475. Et Valentin, actuellement, il est le mieux placé, il a personne devant, il est tranquille. Jérémy. Ça va se bagarrer là, à 8 ouais. Et 9. Ouais, 8 et 9, ouais, ça va être chaud, hein. Le prochain virage. Ah, est-ce qu'il tente? Oh là là, petite glissade. Ça part du cul. On a Nardi qui a pris une place encore sur Sébastien. Ouais. Enfin, qu'ils se sont fait une petite passe d'armes, j'ai l'impression. Oui, 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 tout à fait. En fait, il l'avait fait avant. Là, c'est Sébastien qui revient sur lui pour... D'accord. Pour reprendre sa position. Allez, on va suivre ça. Senior, 1.16, 448. Ouh là là, Jérémy. Ça attaque. Ça glisse pour Jérémy. Alors j'ai fait la traduction de ce que dit 13 Bolt. Il a dit quelle plongée stupide au début. Oui. Un petit peu de la part de Nardi, il a été, ouais. Il a été trop... trop gourmand, hein. Yes, la commission de course s'occupera de ça, il n'y a pas de souci.
Et Romain, toujours deuxième. Romain qui reste à hauteur de DRS, hein, j'ai l'impression. Ouais, de... Oui, je pense. Oh, ça glisse encore un peu. Allez. Là, dans la ligne droite. Attendez, on a plus. Attendez. Perte de position. Valentin qui est passé deuxième. Non. Non, c'est un. Non. C'est une vague. Non, pardon. Je vous ai fait une frayeur. Ouais. Oh, on a arrivé. Oh là là, Viola. Oh, Estruche, Mugué. Au milieu de la piste, assez dangereux. Attention à Cédric qui arrive. Oh là là. Ok, ça repart pour Viola. Sébastien. Sur Nardi. Pour la troisième place, est-ce qu'il va tenter? On a Romain et Valentin là qui sont très proches. Oh oui, mais pour le 3 et 4, c'est très très proche aussi. Hein. Ouh là là, c'est très très, ouais. C'est très très proche. Ah, ça va être intense entre les 4 là. Ah, ouais. Ah, derrière aussi, hein, ils se battent les gars. Hein. Ouais, Estruche qui fait. Jérémy qui fait le move là sur Estruche. Il vient de prendre la 7ème. Voilà, beau petit paquet. À la queue de les 4. Les 4 premiers. Le petit train train. Dans les 2 secondes. Ah ouais. Ah, il suffit qu'il y en a un qui tape le petit mur. Hein. Et ouais. Alors Romain, qu'est-ce qu'il va nous faire? Romain Seigneur. Sur Valentin. Il va essayer de lui mettre la pression tranquillement. Hein. Je pense que c'est le mieux à faire. Ouais. Bah, c'est ce qu'il faut faire ici. Hein. Et voilà, il faut pas avec prendre la pression, de risque. Il faut pas prendre de risque. Hein. Le moins de risque, tu tapes. Hein. Ah, c'est. Ouais, ça va très vite. Ah ouais. Allez, Romain. Je pense que ce soir, Valentin, il va pas avoir les 50 secondes d'avance. Hein. Ah non. Ouh là là, Nardi qui a tiré encore tout droit. Ouais. Est-ce que... Ouais. Oh, attention. Oh, 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 oh. Ah. Oh là là là. Ça patine pour Nardi, hein. Ah, Nardi... Austère, là. Il est chaud, là, hein. Il a le mort là, Conny. Ah ouais, même sur Barcelone, il a fait des super belles passes. Hein. Vraiment un pilote costaud. Ah non, des déplacements. Des déplacements. Des dépassements. Osés. Ouais. Très agressif. C'est un pilote très agressif. Il prend des risques. Oui. Il prend beaucoup de risques. Certes, des fois, ça part au carton, mais voilà. Mais là, sur les 4 premiers, c'est chaud. C'est très très chaud. Hein. Ouais. Nardi. Et on a Musso qui a abandonné donc. Hein. Ah. Il n'est pas reparti des pits apparemment. Petit problème. De Ville. Très très proche aussi. Ah, les 4 premiers là. Oh, Romain qui glisse beaucoup. Ouais. Et nous avons. Valentin qui est en médium et les autres en soft. Ah, c'est pas mal ça, ok. Il a choisi une stratégie un peu différente, Valentin. C'est osé. Très bien. On va suivre ça. Alors là, les softs, je pense pas qu'ils font comme a fait Romain les 26 tours. Hein. Ah non, oh non, non, je ne sais pas. Je sais pas. Hein. Ben, Nardi est troisième. Hein.
toujours. Hardy, ouais. Qui tient la pression, hein. Ah ouais. Casse. Voilà, ouais, ça va se faire là. Ça peut le faire au DRS. Ouais. Après là, le problème c'est qu'ils ont tous le DRS, donc c'est un peu plus compliqué de prendre l'avantage. Ah, il y a 4 à fond, salut, qui encourage Valentin. Forza Valentin, forza. Valentin qui tient. Il tient bien. Ouais. Il est constant. Il y a la famille Raton Gaming qui encourage aussi Valentin. Ah, il y a des supporters là, c'est bien les gars. Il y a un petit fan club. Et Caromain, carrément, Caromain, il fait des P1 à la répétition, Valentin. Ouais. Mais là, il les a sur les côtes, les trois derrière là. Ouais. Ah oui, là... Il doit les sentir assez oppressant. Oui, sixième avec avec Romain, hein. Ah, il y a Nardi qui a touché. Il est parti à toi, Valentin. Ah, Valentin. Il attaque. Ouais, Simonet qui rentre. Ok, Nardi, ouais, qui rentre. Il va changer les pneus. Oh oui. Ben Simonet était en soft. Oui. En soft, ouais. Et Yato qui. Et Nardi qui a perdu 2 places. Perd 2 places pour son arrêt, mais c'est pas grave. Il va les reprendre. Moguet sur Ferry pour la 6ème place. Oh, ça passe. C'est fait. Pour Moguet. Oh oui. Bah c'est vrai que là, Valentin est l'un de ceux qui a vraiment la... Comment dire, il a vraiment là une bonne prise en main de cette voiture. Ouais. Contrairement à d'autres. Oh, Romain. Pour Romain, hein. Elle a glissé, hein. Toujours un petit peu dans le dernier virage. Ah, Sébastien qui vient de prendre la 2ème place. Ouais, il a laissé passer, c'est bien joué. Travail d'équipe, il est sûrement plus rapide, Sébastien, là. Je pense, ouais. Ouais, Sébastien qui a retrouvé sa position, du coup, de P2. Ouais. Oh, Neobad, il y a quelqu'un pour toi, Ace. Ah, il est là, ce grand fou, là. Ça va, mon pote. Salut, Neobad, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Ah, c'est mon poulain. Un jour, lui aussi, participera. J'espère. Ah ouais, bah on lui souhaite, hein. Voilà. Il a un bon guide. Ouais, et puis il progresse bien. Allez, on a Estruch qui passe Ferry là. Ouais, il a laissé passer. Hein. Ouais, il a laissé passer, on est d'accord. C'est son coéquipier. Hein. Ils sont coéquipiers, donc ouais, forcément, il n'y a pas de raison de se battre. Pour les brochets. L'équipe des brochets. Alors, il se porte bien, Neobad, et il a l'air de suivre le Festival de Cannes.
Ah ben oui, oui. Ah oui. Il y travaille là, je crois. Ok. Ouais. Mollet au pit. Ok, on a un retardataire dans le tunnel, attention. Pour Sébastien, ça passe. Oui, ça passe. Et Sébastien qui est toujours à la pression de Valentin là, qui lâche rien. Oh ouais. C'est un la bon moi. Travail là, Sébastien là. Ouais. Il met la pression, c'est très 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 bien. Ouais, ouais. Là, la petite erreur de Valentin, et ça y est quoi, c'est, ça frappe. Ouais, ouais. Faut pas qu'il. Voilà, il faut pas qu'il se relâche et il faut pas aussi qu'il s'enflamme. Qu'il attende le bon moment pour. Exactement. C'est Valentin qui est dans la mouise, on va dire. C'est lui qui regarde dans les rétros. Hein. Ouais. Ouais, c'est lui qui a la mauvaise position là, on peut dire. L'autre il est à l'affût. Après Valentin il va faire sûrement un plus long relais avec ses médiums que, oui. Que Sébastien. Oui, il va mal, ouais. Être un peu la fin de ses pneus. Ouais. Ferry, Moguet et Viola sont en médium aussi. Hein. Ouais. Alors Nardi qui repite. Ah bon. Qui a refait un pit, je crois qu'il en a fait deux là, il en pas beaucoup de tours. Et Moguet, il est encore en pit. Ah ouais. Moguet un souci peut-être. Ok, ça repart. C'était plutôt long, une petite casse. Ouais. Possible. Ah bah oui, t'as cassé la voiture, hein. Allez, Sébastien. Allez, l'ODRS. Oh là là. Oh là là. Ça glisse, hein. Faire attention, faire attention. Le retardataire au casino. Très, très bien joué de la part de Sébastien qui le lâche pas. Comme on disait à la dernière course, si on laisse Valentin s'envoler, on le revoit plus. Ah oui, mais bon. Là, ce qui est bien, c'est qu'il ne laisse pas s'envoler. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que le circuit, il s'y prête pas non plus. Hein. Ah ouais. Ça passe très près des murs. Tiens, celui qui fait la petite erreur. Hein. Ah là ouais, ça va être ça. Hein. Belle bataille. Il se rapproche, hein, il se rapproche. Hein. DRS. Et Valentin qui a une meilleure sortie hein, du dernier virage. Ouais. Du coup, ça marche pas, même avec le DRS. Est-ce qu'il aurait pas une vitesse de pointe un peu plus rapide? Peut-être plus d'aéro là je dirais, mais à savoir. Meilleure trajectoire à la sortie. Et on a un retardataire devant. C'est Nardi qui est devant. Ouais. Ça va laisser passer sûrement dans le tunnel. Non c'est Mog. C'est Moguet devant. C'est Moguet ? Ah Moguet, ok, ouais. Oui. Ah, Nardi est sur la ligne d'arrivée. Ouais. Jérémy qui s'écarte bien, qui laisse passer, qui est propre. 4 à fond qui est en train d'encourager Valentin. Il en a besoin. Ah oui, oui. Ils se lâchent pas les deux, ils se lâchent pas. Et Romain qui perd un peu de temps là. Ouais, qui perd du rythme. Ouais, il est plus moins agressif. Est-ce que Romain se dit les deux de devant, ils vont se faire la bourre, ils vont se faire une petite erreur? Oh,
Il y a moyen. Romain là il tournait en 1.16 sur son dernier tour alors que les deux devant tournaient en 1.17. 1.17 ouais. Donc voilà, il y a un rythme à prendre, il faut qu'il accélère. Et là il tourne pareil, hein. 1.17 les deux 342, sont pareils. 1.17 329 quoi. Les deux sont au même rythme. Hein. Oh, ouais, carrément. C'est beau à voir. Nardi qui est en 7ème position. Hop, qui passe. Il passe Ferry. Bye. Ah, Sébastien qui a fait une petite erreur. Valentin a glissé un petit peu aussi. Et qui rentre au pic. Ah, il rentre au pic. Bon, oh, ah, bah, il était en soft, hein. Romain également, Pit. Voilà, les deux pits. Dans les mêmes consignes. Alors là, il doit être un petit peu soulagé, là, Valentin. Ah ouais, ouais. Bien. Bientôt qui va prendre la deuxième place. Ouais, Romain qui a fait un très long arrêt. Je pense qu'il avait pas mal de dégâts. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'était pas dans les temps des autres. Et ouais. Il a dû toucher, on n'a pas dû le voir et puis. Ouais. La voiture un peu en catastrophe, il s'est dit bon, je vais essayer, mais. C'était pas ça. Allez, Estruche qui pite. Estruche, Nardi 5. Donc ils sont rentrés au 19e tour. Oui, ouais. Pour certains, oui. Il y en a pour au 18e tour. Alors Yato qui est le dernier sur ses pneus soft, je crois. Non, alors, Nardi est en soft aussi. Et Deville aussi. Nardi en soft, Yato, Deville. Ouais. Deville a changé Cédric. Ses pneus déjà. Cédric, il est en soft aussi. Ouais. On va sûrement y avoir plusieurs arrêts là, soit deux ou trois, hein, je pense. Oh, je pense, ouais. Ouais. Et Yato, deuxième. Yato qui fait sa course. Il est concentré. Ouais. Allez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce et abonnez-vous. Qui repasse au pit là, Romain. Si vous voulez suivre les courses, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit. Est-ce qu'il aurait eu une pénalité pour la sortie? Non. Non, parce que c'était pas un drive through. À mon avis, il a peut-être oublié de réparer ou que sais-je. Ils ont mal serré la roue. Ouais, peut-être. Hein. peut-être. Allez, Sébastien. Sur Yato. Ouais. En difficulté, Yato. Oh, je pense que Sébastien. Sur le DRS, ça. Ouais, là, ça va se faire. Bah oui. Défend l'intérieur. Ouais. C'est pas dit. C'est passé. Oh, joli. Oui. Joli sur l'extérieur là, Sébastien. Il n'a pas hésité. Sébastien n'est pas rentré encore. Si. Sébastien à pit, ouais. Au 19e tour. Ouais. Et il a remis des softs. Exactement. Ah ouais, no bad, comme tu dis, chaud les manas, carrément. Hein. Ah, ils sont chauds. C'est le sang chaud de Monaco.
Et Valentin, je crois qu'il a fait une bonne opération d'avoir mis les médiums. Hein. Et après, il peut perdre du temps là sur le sur la fin de son stint. Avoir là, je pense que si Pete, il ressort derrière Sébastien. Hein, donc, Oui. Bah oui, parce qu'en plus Sébastien là est en soft. Alors. Ouais. Donc, est-ce que c'est une bonne stratégie? Je à voir. Je sais pas. Après, il faut voir combien de tours il voilà, les médiums vont tenir quoi. Oui, bien sûr, s'il arrive à faire tenir ses pneus de relais, c'est... là c'est gagné pour lui, hein, mais... Ouais. Mais voilà, rien n'est joué. Allez, Yato qui est reparti en médium. Yom. Il repart, ouais, troisième, donc. Et Nardi, bah, il est rentré lui déjà, et il est en soft. Ouais. Alors il y a Julien, tout à l'heure tu lui parlais de sommeil et là il dit après la course bonjour à... pour trouver le sommeil. Hein. Ouais. Je m'étonne le temps que l'énergie redescende, à moins d'être bien fatigué. Et Valentin qui, bah, qui déroule le tapis en seconde d'avance. Ah, il déroule bien là, il est constant. Ouais. Et Musso, il a abandonné ou Musso, il a abandonné au premier tour, j'ai l'impression. Ouais, parce que je vois qu'il est au pic là. Il a fait deux tours, Musso. Bah, voilà. Voilà. Bah, Viola, toujours 9e. Garde sa place. Mm-hmm. Allez, on va aller voir la livrée McLaren de Luca, Viola. Et il a pas fait sa qualif. Non, il est parti en fond de grille. Oh, on a Estruche qui a tapé le mur fort, là. Ah, oh, attention. Est-ce qu'on sortirait pas une petite safety car? Ah, On va sortir la safety, je pense. Zivan, tu crois? Attends, Estruche, il repart. Ouais. Il repart, Estruche. Ah, il repart. Ouais, ouais. C'est fou, là. Il est que dans le contact et ça part. Hein. Là. T'as mis... Il retape, il est pas bien du tout. Mais bon, il roule. J'attends ton feu vert, si je sors ou pas. Néobat qui redemande du rallycross, oui. oui. Ah, Néobat, ouais. Il a bien kiffé, là. Ah, j'aimerais bien aussi un petit championnat en rallycross, ça pourrait être pas mal. Donc pas de safety car, Zivan? Non. À ton... Non. Le commissaire de course, je décide... décide de ne pas sortir la safety car pour cette fois-ci. Ah merde. Du coup, je suis reparti au pit. Je pense on peut se faire ça samedi, pas demain, mais dans une semaine. Dans une semaine, il y a un open que tu avais prévu, non, déjà? Il y a l'open de jeudi. Jeudi, hein. Ouais. Ah, il y a... Moguet. Oh là là, Estruche. Moguet qui est allé voir le muret. Allez, repart. Il y a Lorenzo Musso qui encourage son coéquipier. Et Valentin qui n'a toujours pas pit après 24 tours. Ah, Julien aussi, il a bien aimé le rallycross. Ah, oh, c'était cool. Hein. Ouais, on s'est bien amusé. Vraiment bien. Ouais. Puis j'avais roulé cette fois-ci, c'était bien sympa. Ouais.
Et Sébastien, il remonte. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure hein, avec Sébastien et Valentin. Là, Sébastien, il a plus de rythme que Valentin. Donc, pour son arrêt au stand, Valentin, il va perdre sa place. Il va perdre sa place, il n'y a aucun doute. Voilà, Cédric a laissé passer Sébastien. C'est bien écarté. Moguet qui rentre au pit. Néobad, moi ce que je peux faire, je te donne, j'ai un ensemble de circuits, je te passe le lien et puis tu testes et puis on fait ça, celle qui te plaît. Ah ouais. On cherchait des circuits en plus la dernière fois et ouais, si t'as déjà un petit pack sympathique, ça peut le faire. Viola qui vient de prendre la 8ème place. Il y a les voitures aussi à choisir, et puis le circuit. Oh, Viola qui va taper un peu le mur, Casino. Ouais, ça a été léger quand même, ça va, sur le plan. Je t'enverrai ça, Néobad. Quand tu vas voir les dossiers, tu vas avoir tes yeux, ils vont sortir de la tête. Tellement il y en a. Bon, il y a de tout, hein, mais du rallycross, il y en a pas mal. Ah ouais, cool. Et Sébastien, toujours à l'attaque. Hein. Sébastien qui en 1.15, il tourne 2 secondes plus vite au tour que Valentin. Ah ouais. Il remonte sec. Incroyable. Pas de soucis, mon poulet, je te ferai ça. Valentin qui a du souci à se faire là, qui doit regarder son live timing, il n'est pas confiant. Oui, parce que il est placé à 5 secondes. Hein. Ouais, alors peut-être, je dis bien peut-être qu'il pourrait partir sur une stratégie medium hard, Valentin, pour sauter un arrêt au pit quoi. Pour moi, ça serait le mieux à faire pour lui dans la situation là. Non, il passe toujours pas au stand. Hein. Il va les emmener jusqu'au bout, ses pneus. À la bonne. Après, est-ce que Sébastien, il va pas trop tuer ses pneus pour essayer de remonter un mec? Ouais, c'est possible. Hein. Néobad qui dit les hard, ce serait quand même chaud, hein. Ouais, les hard, ouais. C'est vrai que... Mais pour le cas de Valentin, ça pourrait être pas bête, hein, parce qu'il sauterait un arrêt. Hein. Il sauterait un arrêt, et puis voilà, il irait jusqu'au bout peut-être avec. Donc, à voir. Après, il faut voir si les pneus hard, ils sont... Ils sont efficaces ou pas. Ils sont efficaces, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ah ouais, la course elle est super comme tu dis. Ah ouais. Néobad. Ah ouais. Jusque là, il n'y a pas vraiment de grosses casses. Hein. Y a, Non, bon, il y a eu un petit peu tapé au début. Ouais. Deux petits travers. Ouais. Alors, 4 à fond dit Valentin est à la lienne, pas de soucis à se faire. On va voir. Ouais, on sait bien que c'est un alien, mais ouais. Ah, moi je me ferais il a que 3 secondes d'avance hein. Le temps il est en train de fondre hein. Ah il fond là. Il est toujours à une seconde des temps de Sébastien donc oui. compliqué. Il arrive à ses fins de pneus là. Ouais, les pneus commencent à être morts ouais, je pense. Ah, il est déjà dans son 30e tour, 21e tour. Ouais. 28e tour là pour pour Valentin et tout le monde. La Nardi qui est au pit. Nardi qui est au pit. Romain qui repasse 4e du coup. Ouais. Nardi qui passe des pneus soft. Ouais, c'est la deuxième fois qu'il passe au pit, Nardi. Ouais. Ah ouais.
Il avait monté des softs, non des médiums. Là il avait fait soft, mais apparemment voilà il les dégrade beaucoup quoi. Ouais. Bah c'est qu'il est nerveux au volant. Hein. Ouais. Les freinages ils sont un peu tardifs. Il a plus ça. Il est très agressif. Et Yato troisième, hein. Quelle belle course pour l'instant. Oui. Est-ce que son premier podium, ça sera à Monaco? On ne sait pas. On va voir. Il reste encore du temps, hein. Il y a encore du temps, il y a encore du temps. On est même pas à la mi-course, mais voilà. On lui souhaite en tout cas, hein. Oui, bien sûr. Je le souhaite à tout le monde, hein. Non mais là, tu vois qu'il commence à performer et ça serait bien que ça paye pour Yato. Hein. Oh, Valentin qui touche le mur à la chicane. Oui. Sébastien qui est derrière. Oh, ça va être chaud là. Ça va être chaud. 3e. Valentin, il est un petit peu en difficulté. Il est en difficulté là avec ses pneus médiums bien KO. Bah ouais. Est-ce qu'il va rentrer là, si on... Non. Non, il rentre pas. Poursuit. À mon avis, voilà, il va sauter un arrêt, hein, Valentin. Il est parti pour là. Alors certes, il perd du temps pour l'instant, mais il va le gagner sur le prochain arrêt de Sébastien. Ah bah oui, parce que Sébastien, d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'il rompit. Exactement. Tout à fait, mon cher Thierry. Tout à fait. Ouais. Allez, Valentin, t'as eu le temps de te reposer pour les 20 derniers tours là. Il faut que t'attaques maintenant. Sont reposés. Ah, vraiment, mais. Il faut pas qu'ils se reposent, au contraire. Là, il doit, elle est rétro. Là, il commence à défendre là. Oh là là là. Quand un pilote commence à défendre. Ah, Sébastien tourne à une 16, lui il tourne à une 17. Hein. Ouais. Non, il rentre toujours pas. Bah, s'il sent la voiture, hein, il a bien raison. Hein. Valentin en difficulté, hein. Il faut qu'il pite au plus vite, hein, pour pas perdre trop de temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, Sébastien fait le meilleur temps. Ouais. Allez, c'est à lui de. C'est à lui de donner les rythmes maintenant. Est-ce qu'il va tenter? Oh, il est pas mal. Alors, est-ce que les deux seraient pas un peu au bout de leur pneu? Alors, Romain qui vient de rentrer au pit. Ouais. Et Simonet, il vient de prendre la 4e place. Exactement. Allez, ça rentre au pit pour Valentin. Il pouvait pas faire encore. Allez, on va voir où est-ce qu'il va ressortir, à mon avis, devant Yato. Oh, je pense, oui. Il a quand même pas mal d'avance. Hein. Alors, il a passé des quoi, là? Valentin, je crois qu'il est en... Médium. Donc voilà, il va faire médium, soft. Oui, parce qu'il a fait 33 tours avec son premier train. Ouais. Deuxième... Bah, s'il fait autant de tours, Il reste les softs en pleine course, quoi. Voilà, parce qu'il faut savoir que je pense que c'est dans le règlement, là, ici aussi, hein, si je me trompe pas, il faut obligatoirement changer de gomme une fois dans la course. C'est ça, exactement. Vous pouvez pas faire
Et c'est pour ça que. Sans médium, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, Nardi, il a monté. Il est sorti trois fois, il est rentré trois fois, il a mis trois. Parce que, ouais, il compte faire encore des arrêts. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Il va devoir faire des, un arrêt en plus. En plus, non, ouais. C'est obligatoire. Sinon, là, c'est la panique. On va regarder plus près. Mais Valentin, je pense qu'il a attendu trop pour rentrer. Il a trop attendu, ouais, pour moi. Il a trop attendu. Ouais. Il aurait dû rentrer au moins 4 tours avant. Ouais, ouais. Et il aurait pu ressortir devant Sébastien. Il aurait ressorti devant, bien sûr. Ah oui, oui, ils sont ressortis devant. Bon, il a tenté, hein, mais bon. Après, rien n'est joué. Parce qu'il va y encore y avoir des arrêts, donc... Oui, maintenant, il faut voir si Sébastien, il va pouvoir prendre beaucoup d'avance sur Valentin. Ouais, ouais. Du coup, Sébastien P1, Valentin P2, Tony Yato P3, Nardi P4 et Romain P5. Ouais, Romain qui est un peu en difficulté, hein, j'ai l'impression. Ouais. Oula, ouais. Oh, ça tape un peu dur. Oula. Ah, pour Romain, c'est mal barré là. Ouais. Ça bloque les pneus, à mon avis, l'aileron est complètement abîmé. Allez, on se ressaisit, Romain. Il reste du temps. Yato qui sort des bons chronos, qui est dans son rythme. Il tape pas les murs, il fait une belle course jusqu'à présent. Ouais. Ah. Valentin a haussé le rythme, il est en 1.16600 et quelques. Ah, il se sent mieux avec ses pneus neufs. Ouais. Non mais il a trop tardé pour rentrer. Il a trop attendu, ouais. Après, on n'est pas au courant de toute sa stratégie. Peut-être qu'il nous sort un lapin du chapeau. Ouais, on va savoir. On va voir ça. Muguet sur Estruche. Le 8 sur 7. Oui. Oh, ça va passer là. Oh oui, ça passe large. Sur l'extérieur, on fait gaffe. Oh, oui, oui. Ah, bah, il faut voir au freinage. On serre toujours les fesses hein, dans ce virage. Ah ouais, c'est virage. Hein. Là qui laisse passer Romain. Alors combien il tourne Valentin? 1.16.263. Ouais, il a repris du rythme. Oui, il a repris du rythme. Oui.
Il y a tous un retardateur. Et Struch le laisse passer propre. Moguet à l'attaque pour la sixième place sur Ferry. Tunnel, ça va se faire. Oh, il tape. Oh là là. Oh là là. Anthony. Moi, tu me dis, hein, Zivan, je le sens. Sébastien, il est où? Ah, Ferry. Il a offert monte, Sébastien David. Voilà. Oh, Yato. Oh, Yato. Et ça profite à Estruche qui vient de passer 6ème sur Moguet. Exactement. Il a trop laissé passer. Bon, attention. Ah, mais Moguet là, ça va se faire hein, sur Estruche. Bah, il est bien placé. Ah, oui, oui, oui. Sur l'extérieur, comme au tour précédent. Oh, oh là là, oh là là, oh là là, se laisse pas faire, Estruche. Ah ouais, mais bon, c'est... Ouais, c'est passé. Ouais, ouais. Ouais, voilà, est-ce que c'est le drapeau bleu, hein. Ça tape les murs, hein. Ouais. Ouais, ouais. Là, les ailerons, ils sont... À route. Ils sont à route, ouais. Mister qui avait la voiture en vrac, qui aurait eu plus de mal à sortir, oui, elle serait sortie de la safety car. Oui. Ferry, ouais, ouais. Ferry sur Viola. Et Viola qui vient de prendre une place, hein, quand même. Hein. Et à 8. Ah ouais. Ouais. Bah, Viola, il tourne à 1,21. Hein. C'est pas. C'est pas hyper rapide, mais c'est... Mais bon, ouais. Bon, il a son rythme. Est-ce qu'il a pas eu le temps d'essayer la voiture? Oh, il y en a Estruche qui est vraiment en galère, là. Hein. Ouais. Il tape à tous les murs, ouais. Ah oui. On a dit le petit crash de tout à l'heure là, ça l'a mis. Bah, il voit Viola devant, il se dit. Ah, j'attaque. Ouais. Parce que Viola est en médium, hein, et lui il t'en saute. Hein. Bah, ouais. Viola il vient de rentrer quoi. Viola rentre, ouais. Pour retardataire. Oh, c'est tendu. Et Valentin, bah, il reprend pas du pavé hein, sur Sébastien. Hein. Non, c'est. Ouais. Bah ouais. Perd du temps même. Et, bah, ouais. Et Sébastien, il tourne à 1,15,980. Hein. Ah oui, c'est un gros rythme alors. Ah oui, Et Valentin, lui, il tourne à 1,16,500. Hein. Attention, Valentin, que la victoire ne t'échappe pas. Ouais, je pense qu'il va se dire, bon, Sébastien va faire encore son... C'est peut-être dans sa stratégie. Hein, c'est, il va piquer. Après, il faut pas que... voilà, en fait, le but, ça va être... qu'il offre pas un arrêt gratuit à Sébastien en perdant trop de temps sur son Ouais. Là oui. Ça serait vraiment la catastrophe sinon Alors je sais pas combien de temps exactement prennent le passage au pit mais je n'ai pas fait attention s'il y a moins de 25 secondes il y a danger ouais. Allez Struchel est allé réparer au pit. Oui. Ah, c'est sûr. Ah.
Ça profite à Miola qui prend la 8e position. Struche qui va aller chercher Lucas. Il va tout faire pour en tout cas. Oui, bah oui. Mais bon, Viola il roule propre. Hein. Ouais, Lucas Viola, il fait des bons tours là. Voilà, et là, voilà, Viola est. Oh, Yato, accident. Accident pour Yato dans la chicane de la piscine. Ah. Oh là. Ah, Yato qui se fait prendre. Romain Seigneur à l'arrêt. Ah, il a déco. Sort la safety ou pas? Ah, il a déco. Il a disparu. Ah, je vais la sortir la safety. Mais il a déco. Qu'est-ce que tu veux sortir? Accident, hein. À mon avis, accident là. Accident, il est même pas sur la piste. Il s'est évaporé, il va savoir ce qui s'est passé, il va venir nous dire s'il peut pas repartir, il nous le dira. Simonet, je suis au volant si jamais tu me dis que ça marche. Ouais, il y a Family Gaming qui dit Family Raton Gaming qui dit pourquoi la sortir alors qu'il a des cours. Bah oui. Après, j'ai vu à l'arrêt en fait, ouais. Ouais, j'ai vu à l'arrêt, je me suis dit, problème. Oui. Il y a Neobat qui dit, il veut faire ton petit tour. Hein. Ouais, non, mais ça. Ça le démange. Aïs. Ouais, j'ai la MG qui démange. Le moteur est en surchauffe en face de Romain, Savoir ce qui s'est passé, ouais, pour Romain, c'est dommage, je l'ai vu complètement, complètement à l'arrêt là. Ouh, Ferry qui fait un gros crash là dans la piscine. Il est à l'arrêt là. Ah, il est à l'arrêt, il repart pas, il est parti au pit. Je sors. Non, il a fait déco. Non. Déco. Ouais, il a craché, il s'est craché de contre le mur. Ah ouais, mais il est plus sur la piste. Mais il est plus sur la piste, il a des coups. C'est Arrobas. Salut. Monteur cassé, j'ai dû avoir. Ah ben voilà, c'est le petit alors. Ça fait pif paf et allez hop, on va. Alors on a mis en direct. Je vais sortir ce petit Zivan. Allez. Tu places le truc safety car. Faut que tu me dises quand Sébastien il se rapproche de la ligne d'arrivée. Ouais. Ah bah il rentre. Il rentre plus vite alors. Ok, ben je. Il sort pour Valentin. Alors, est-ce que Valentin va faire une bonne opération là? Et Sébastien, toujours au pit, hein? Non. Ok, Sébastien est ressorti, non. Là. Il est ressorti. Et ouais, il fallait que je sorte maintenant. Ouais. Bah, on va attendre un tour que Sébastien repasse. Voilà. Je sais pas ce que tu prends. Ouais. Ok. Arrivé
n'oubliera pas de mettre le truc safety car out, voilà. Ouais. Ça marche. Prochain tour, tu me dis quand Sabi va passer. Quand il a la rascasse, tu me le dis. Ah ben ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Moteur cassé également. Toi aussi ? Oh ! Et ouais. Ouais, c'est le petit Carl en la sort. Des bruits sur la piste. Hein. Allez, alors là, il a la piscine. Ouais. Ok. T'es bien devant, ouais. Hein. Allez. Voilà, il a la rascasse. Voilà. Il n'y a pas de Nardi entre nous là. Oui. Ouais. C'est pas grave. Tu laisses passer Nardi. Voilà. Voilà. Il a ouvert la main. Voilà. Vas-y. Tu peux y aller là. Romain, tu peux me redescendre dans mon canal, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Toi aussi, tu as abandonné, Jay ? Non, non, Jay, il est toujours là. Je vais faire deux tours de safety, Zivan. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Il faut que je m'amuse, moi aussi, Zivan. Il va falloir laisser passer Cédric. D'accord. Je vais aller lui dire. Y a pas de raison. Ah bah, ah ouais, non. Dommage, je m'amusais bien, j'avais une bonne stratégie. La ligne droite, tu ralentis un peu, Aise, comme ça permet à Cédric de passer. Ouais, ok. Je me mets à droite. Attention, Sébastien. Voilà, Cédric passe. Voilà, c'est bon. Dans le tunnel, s'il y en a qui veulent passer, je peux faire à droite. Ouais, c'est Lucas qui va passer. Voilà, Lucas qui passe. Tu peux mettre le voyant vert pour la safety car. Ouais. Ok. Donc je rentre à ce tour là. Hein. Voilà. Ouais. Okay. Voilà le plaisir de vous durer. Ça fait court mais intense. Ouais. Ouais. On va avoir une sacrée bataille entre Sébastien et. Et voilà. Ah, voilà, Sébastien repart, oui. Il relance la course, allez. Pour Yato.
Et ça a sien pour son deuxième arrêt, et il a monté des... Des médiums, hein. Ah, ouais. Je sais pas si ça ira jusqu'au bout. Et Valentin, lui, il a fait pas mal de tours déjà avec ses médiums, hein. Ouais, ouais, il s'est arrêté au combien, en 30e? Ouais, 33e. 33e, ouais. Ah, ça relance un peu tout, là, c'est bien. Ouais. Ouais, donc Sébastien, il a été stratège, hein. Tout de suite il est rentré au pit pour les pneus. Ouais. En termes de temps autour, il était plus rapide que Valentin. Ouais. Oui. Il était un beau spectacle. Une 15, tu vois, il tournait à une 15. Une 14, je l'ai vu là au moins. Ouais. Ouais, moi malheureusement, je suis arrivé trop vite dans le... Tunnel. Ah, c'est dans le tunnel que t'as fait. Ouais, j'ai cassé le moteur dans le tunnel. Aïe. C'est les choses qui arrivent. Et Anthony aussi qui a pris le mur de la piscine à 200. Oui. J'ai vu ça. Non, en direct. Ah, ouais. Ouais. Je n'ai pas contrôlé, j'ai eu un moment d'égarement et c'est fini. Un seul petit coup et c'est terminé. Voilà. Ah, c'est. Ouais, je pardonne pas là. Ah, ouais. Ah, j'étais bien, pourtant j'étais P6. Je me suis dit, ah, c'est bon, allez, continuons comme ça. Encore 20 tours. Tony Yato qui tient la barre, toujours P3. Oui. Ah oui, en fait, Moguet a un tour de retard sur Valentin, en fait. C'est ça. Ouais, ouais. Mais ouais, ils sont à côté, mais un tour de retard, d'accord. Oh, Moguet qui tape le mur. Attention. Oh là là. Aïe, aïe, aïe.